future where I can be with you. Just to find that special day. Coucou à tout le monde, c'est Rinku. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode bonus numéro 4 de notre Let's Play sur Doki Doki Literature Club. Le dernier que je pense faire, en tout cas, à moins qu'on ait d'autres choses à réaliser et à faire. Mais bref, dans cet épisode, on va terminer quelques petits trucs dans les dossiers donc, qui sont juste ici, voilà. Donc, Doki Doki. En supprimant les fichiers caractères des personnages. Puis après, je vous propose d'écouter You Reality de Monica en VOSTFR pour terminer tout cela. En tout cas, on est parti. Après, la dernière fois, on avait obtenu la fin secrète. Et pour réaliser en fait le jeu, parce que j'ai galéré. En fait, là-dedans, voilà, y a un truc qui s'appelle First Run, bon, il faut le supprimer. Puis voilà, bon, je l'ai déjà fait, comme ça on aura juste à rallumer le jeu. Donc, on va commencer par, je vous propose, par supprimer Natsuki et voir ce qui se passe. Ça, on connaît. Voilà. Je regarde si ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Bon voilà, je crois pas qu'on ait de nouveaux trucs hein. On va juste voir si ça passe un peu ou pas. Oh, on peut pas passer, c'est relou ça par contre. Non, ça a l'air de ressembler comme au début du jeu. Donc si on supprime Natsuki, il se passe rien. Très bien, parce que je vous dis, hein, dès que tu supprimes un personnage, c'est que... C'est que ça fait un truc immédiatement, donc en fait ça fait un peu de toute façon les revenus, j'ai l'impression. Merde, je suis allé où Game. Donc on va supprimer le first run. Supprimer, hop. Et on va relancer le jeu. Donc supprimer données existantes. Ouais, je le reconnais. Et on va supprimer le jeu. Et on va cette fois-ci supprimer Yuri, je vous propose. Donc, épisode assez court, hein, je vous le dis. Hein. Pas grand chose d'important à faire. Yuri est revenu, nous on vous la veut pas, on la supprime. Nouvelle partie, Jean-Claude. Merde, je vais même pas écrire Jean-Claude. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. De toute façon, Yuri, j'ai l'impression qu'elle revient à chaque fois. Donc ça ne sert à rien de supprimer Yuri aussi. Ok. Maintenant on va aller sur... on va revenir sur Game, on va supprimer le first run. Et on va passer à... on va rallumer le jeu déjà. Non je reprends le jeu. Oui je supprime le destin. Voilà. Je reconnais. On ferme le jeu. Et maintenant, on va supprimer ces Yuri. Et oui, on va voir ce que ça fait. Fin. Et ça, Yuri pendu. Voilà, bon. On va dire que c'est un classique. Après, faut savoir que ça, je le sais. Vous savez, quand j'ai eu mon bug d'ordinateur et que j'ai dû tout réinitialiser, quand j'ai voulu reprendre là où j'en étais avec Doki Doki. Bah j'ai eu ça parce qu'on était à la deuxième partie, c'est Yuri était morte. Donc, enfin c'était pendu. Donc voilà, donc j'avais vu ça et j'avais dit à mon ami Baptiste, mais c'est quoi ce bordel? Et il m'a dit, oh c'est normal, c'est quand tu supprimes c'est Yuri, au tout début du jeu. Donc tu vois, je le connaissais celui de Sayori, c'est pour ça que voilà. Mais maintenant on va faire ça celui de Monica que je ne connais pas et je sais qu'il se passe quelque chose. Donc on va faire, on va repartir sur Game, First Run, supprimé. On va relancer Doki Doki.
Regarde, oui, je supprime. Je reconnais machin machin. Et on va fermer le jeu. Voilà. Et on va supprimer Monica. Et vraiment voir ce qui va se passer. En attendant, ça démarre normalement. Quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est? Oh non! Non! C'est impossible! Ça ne peut pas être tout ce qu'il y a! Qu'est-ce que c'est? Que suis-je? Faites cesser ça! Faites cesser ça par pitié! Oh! Tout le monde s'est supprimé. Qu'est-ce qui se passe si je relance le jeu? Fin? Avec sa yuri pendue? Oui, c'est ça, ok. Eh bien, voilà. On a vu tout ce qu'on devait voir avec notre ami. Avec Doki Doki Literature Club, voilà. On a vu les différentes fins en fonction des gens qui se suppriment. Et je vous propose maintenant de faire. De regarder ceci. On va ce faire. Bon, vous l'aurez en bien meilleure qualité que moi, en tout cas, au montage. Can you hear me? Donc, je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. So, you know how I've been like practicing piano and stuff? And not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So, yeah. Just to find that special day. Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun. Says it all. And if this world won't write me an ending, what will it take just for me to have it all? Is it love if I set you free? The ink flows down into a dark puddle. How can I write love into reality? If I can't hear the sound of your heartbeat, what do you call love in your reality? And in your reality, I don't know how to love you. I'll leave you be.
Ok. Donc voilà la fin, enfin la truc de OCTFR où on peut enfin comprendre que Monica a tout essayé pour être avec nous, qu'elle cherchait une vraie fin sans blesser les gens. Ah, c'est pas une mauvaise personne en fin de compte, Monica, hein, je vous le dis. Hein. Moi je suis sûr que c'est une personne très très gentille. Donc voilà, c'est ce qui va clôturer cette fois-ci notre let's play sur Doki Doki. À moins que j'ai d'autres trucs à faire, donc n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires afin de continuer cette série. Mais je pense que cette fois-ci c'est fini, fini. Voilà, ce sera d'ailleurs mon premier let's play fini de Doki Doki. On se retrouve à la rentrée, comme je l'avais dit dans une vidéo spéciale vacances qui sera sûrement supprimée à la rentrée, hein, le temps que vous comprenez que je suis en vacances. N'hésitez pas à aller voir d'autres let's play comme Undertale. Ou encore Danganronpa qui sont surtout Danganronpa qui est dans le même style à peu près, un jeu très visual novel avec des morts, enfin des histoires bien compliquées de ce genre. Mais bref, merci d'avoir regardé. Je vous propose un dernier petit aïe 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 pour vous faire plaisir. Voilà, et maintenant je laisse le mot de la fin à la personne qui a été le plus présente dans ce let's play. Je vais parler de Denis Brouillard. Ah!